Voilà. Je suis Longuet Longuet, soutien total au grand maître, au patron Longuet Longuet. Je comprends maintenant pourquoi dans sa vidéo depuis 2019, il a dit « Je veux voir mes enfants grandir. » Parce que le genre qu'on a fouetté Jésus là, si c'est comme ça qu'on a fouetté Longuet Longuet, je comprends pourquoi le type l'a pleuré. Je me rappelle une fois, on était ensemble, on allait à Kribi à l'installation d'un grand homme. Il m'a dit « Gâteau, tu sais que les gens ici font partie des gens qui m'avaient fouetté. » Bon, le fouetté qu'il avait dit là, je n'avais pas encore compris l'ampleur de ça. C'est quand il voit la vidéo, il comprend qu'on ne l'avait pas fouetté, mais on l'avait touché. Donc Longuet Longuet est notre Jésus de Nazareth. Je suis Longuet Longuet. Mais ceux qui m'appellent de l'Europe, de la France, Canada, que gâteau, vous êtes seulement là pour faire les clashs. Les choses ne vont pas au pays, vous ne pouvez pas parler, etc. Vous avez maintenant compris pourquoi nous on ne peut pas parler, on n'a pas l'humilité. Le ventre, ce qui est gros là, ce n'est pas la nourriture ou les bières, c'est les problèmes du pays qui sont dedans. Donc quand je vais arriver dans le pays qu'ils cherchent, j'ai les choses que je vais dire, parce qu'il y aura l'humilité. Jusqu'à vous-même, vous allez fuir, je vais verser des choses comme ça sur le pays ici. Les choses qui se passent comme ça ne va pas, parce que ça ne va pas. Maintenant, nous, on ne peut pas nous parler. On ne peut pas parler, que ce soit la culture, que ce soit les routes, que ce soit quoi, ça ne va pas. Je suis Longuet Longuet, hommage à un grand homme qui s'est sacrifié pour nous et qui continue à faire des bonnes choses pour nous. Longuet Longuet, big up à toi, grand frère. Tu sais qu'on a toujours marché ensemble et tu as toujours été un homme vrai. God bless you. Mais nous, on va être vrai comme toi, mais pas dans ce pays, mon frère. On veut aussi voir nos enfants grandir. On ne veut pas qu'on nous fouette avant de dire que je veux voir mes enfants grandir. On va quitter et puis on va parler. Donc là, Aïcha Kamoua, au lieu de faire les bruits sur la toile, à parler de ce qui ne va pas, vous avez l'humilité. Voilà. Maintenant, j'espère que les Camerounais vont un peu laisser où c'est Makos, où c'est Nukosa, où c'est Vekasa, où c'est Nakasa respirer. Voilà un nouveau sujet. Mobilisez-vous, je vois. Mobilisez-vous, je vois, je vous attends ici. Voilà Longuet Longuet. Voilà le sujet de Longuet Longuet. Mobilisez-vous, parce que vous êtes champion pour vous mobiliser pour la fertilité. Mobilisez-vous ici, laissez ça. Voilà un proche. Mobilisez-vous ici. Je crois qu'il faut être inhumain pour être insensible face aux vidéos de torture de Longuet Longuet qu'on a vu aujourd'hui. Malheureusement, c'est une histoire que je connais depuis 2019. Parce que, entre guillemets, moi-même, j'ai échappé à cette torture. À l'époque, là, je bossais avec Longuet Longuet. Je crois on l'avait interpellé une fois. On l'a interpellé une fois concernant ses sorties, concernant des sorties. C'est une page Facebook qui s'attaquait à une autre personnalité de l'armée camerounaise. Mais fort heureusement, il avait fait appel à moi. J'étais venu voir le commandant Tabala. J'ai démontré par A plus B comment c'était pas Longuet Longuet qui était derrière cette page-là. Il y avait une page qui usurpait l'identité de Longuet Longuet, qui balançait des fausses informations concernant une grosse personnalité de l'armée. Pour la première fois, Longuet avait été interpellé. Et j'étais venu, j'ai démontré comment nous ne sommes liés ni de près ni de loin avec cette page. On l'a libéré. Mais par la suite, j'avais encore appris qu'on avait une fois de plus interpellé à l'hôtel Sawa. Mais je ne savais pas que c'était pour subir ça. Je savais qu'il avait été fessé. Mais je ne savais pas que c'était comme ça. Ça fait peur. C'est un être humain, ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Voilà pourquoi moi j'ai vite parlé de certains sujets. On va dire, Pifo, il y a des sujets de votre pays, vous ne parlez pas de la politique. Pour vivre ça, est-ce que vous avez même vu? Non, 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 non. Mettez vos enfants devant, ils vont parler. Si c'est pour parler, vivre ça. Si c'est pour parler et vivre ce genre de torture. Parce que quel que soit ce qu'on va me dire, Longuet Longuet n'est pas sorti de la Eden. Il a perdu quelque chose. Que ce soit psychologiquement ou physiquement, mentalement, il a perdu quelque chose. Tu ne peux pas sortir de ce que j'ai vu là. À 100%. Non. C'est faux. C'est faux. C'est triste. Mais que faire? Que dire? Que faire? Que dire? Surtout quand tu sais que... J'imagine si vraiment j'étais arrivé le jour-là à la CEMIL et qu'il était démontré que c'est nous qui étions derrière cette page. C'est que moi-même j'ai subi. Regarde, c'est effrayant. C'est tellement effrayant. C'est tellement effrayant. Ça fait peur. Quoi qu'on dise, qu'on ne vous mentez pas. Ça fait extrêmement peur. Et... Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Ça fait peur. Tout ce que je veux dire, c'est que ça fait peur. J'ai regardé, j'ai même failli pleurer parce que c'est quelqu'un avec qui je marchais à cette époque-là. Ça peut arriver à un de nos papas, à un de nos proches. Ça fait peur. Il faut être criminel pour ne pas être, pour être insensible.
face à ce qu'on a vu là. Ça fait extrêmement peur. C'est un artiste. Hein? C'est un artiste. C'est un artiste. Ils étaient très contents. Voilà, nous voilà. Et c'est pour ceci que je pleurais donc. Je veux les voir grandir. Je veux voir cette famille grandir. Je veux les voir grandir. Je veux voir mes enfants. Non. Je veux voir mes enfants grandir. Ne pleurez pas, Longuet, Longuet. Ne pleurez pas, s'il vous plaît. Longuet, Longuet. Non. Longuet, Longuet, ne pleurez pas. C'est pour cette famille. Ah non, Longuet. Pardonnez-moi. Oh, Longuet. Mon colonel. Non. Quelle fin de mission. Je vais bien. C'est pour ces enfants, c'est pour cette famille. Longuet, ça va. Ça va, Longuet. Longuet, Longuet, calme-toi. Longuet, Longuet. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je vous demande pardon. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Non, Longuet, ne me faites pas ça. Mais les enfants. Suzanne me dit les enfants ont besoin de la présence d'un homme. Longuet, je ne peux plus. Je ne peux plus. Il faut un homme. Diamant est déjà un homme. Diamant amène déjà les copines à la maison. S'il te plaît, moi je parle, il ne m'écoute plus. Il faut un homme à la maison. J'allais travailler au Canada, gagner un peu d'argent et aller faire le mariage et ça avec Suzanne. L'homme propose, Dieu dispose. Tout est parti en fumée. S'il vous plaît, laissez-moi me rattraper, aller travailler. Sinon, ils vont se retrouver dans la rue. C'est moi qui payais tout. C'est moi qui payais tout. Ça va, Longuet. Longuet, on a compris. Maman Chantal Biavou regarde, elle a compris. Papa Popol regarde l'émission, il a compris. Les Camerounais regardent l'émission, ils ont vu que vous êtes sincère, que vous êtes sérieux. On va vous remettre votre passeport, Longuet, Longuet, au nom de ces enfants-là, parce que ce sont des hommes de cœur. Je vous demande pardon. Pardon, donnez-moi. Donnez-moi une seconde de chance. Lève-toi. Donnez-moi une seconde de chance, pardon. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Lève-toi. J'ai envie de voir mes enfants grandir, pardon. Lève-toi, le Cameroun t'a pardonné. Pardon, je ferai plus de Davis. Davis, d'abord, pardon. Pardon, Gangéné, pardon.